Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage du HTML5, nous allons voir le son numéro 22 qui portera ce nouveau site web. Nouveau design, poisson pour tous. Hop, hop, hop. Hé, hey, petit gars, tu ne devais pas nous faire la vidéo sur la leçon sur la balise audio Eh oui, je sais. Mais aujourd'hui, j'ai une excuse qui ne sera pas pour vous déplaire. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle interface que je vous ai concoctée pendant les vacances. Petit vénard. Où devrais-je dire le nouveau design du site web vous l'aurez deviné, Poisson pour tous a changé de peau et de design. Regardez, ça c'est l'ancien design. Bien évidemment, celui-ci n'était pas optimisé. Loin de là. Et maintenant, voici une nouvelle interface. Plus cool. Et surtout, tout sur une page. Vous verrez, le changement est radical. Pourtant, rien de nouveau dans le code que nous allons voir ensemble. Donc, sans plus attendre, regardons cela dans Sublime ce Test. Donc nous voici devant l'ancien site web, hein, Poisson pour tous. Donc vous voyez une petite différence, c'est-à-dire que là par exemple j'avais fait un petit effet euh, de glissade en CSS, mais bon ça on verra ça un peu plus tard. Et maintenant le nouveau site internet, c'est-à-dire celui-ci. Vous voyez, il est plus sympa, plus fun, plus, plus moderne surtout. J'ai fait en sorte de vous mettre le site internet sur une seule page. Et vous voyez, on a des liens interpages en fin de compte, qui nous permet à chaque fois de revenir. Donc ici, vous voyez, ce petit en haut s'il vous plaît permet tout simplement de revenir en haut de la page. Celui-ci est compartimenté, c'est-à-dire que vous trouverez euh, différents blocs. Donc, au niveau des blocs, on aura ici le header. Ici, on aura le slide. Si vous voulez, pour l'instant, euh, normalement un slide, un slider, c'est des images qui défilent. Là, n'ayant en pas encore vu le JavaScript, euh, on ne va pas le faire, mais ça peut nous donner une idée. On pourrait même s'amuser à faire bouger les poissons. On verra ça bien plus tard. Ici, vous avez donc, quoi dire, les types de poissons. Vous voyez, poisson jaune, poisson clown, poisson bleu, et ainsi de suite. Hein. Ici, on aura donc les exemples dans ce bloc-là. Comme vous voyez, j'ai bien compartimenté hein, par bloc. Hein. On aura à chaque fois, euh, vous allez voir de suite le CSS, vous comprendrez comment ça fonctionne. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu ensemble il y a quelques petites choses en CSS euh, que j'expliquerai je plus tard. C'est ici en l'occurrence ce petit bouton. Parce qu'en fait de compte, ce petit bouton, comme peut voir, il suit ma page il reste toujours au même niveau, quoi que, quoi que je fasse. C'est en fin de compte, j'ai créé une position. On n'a pas vu encore les positions absolues, relatives, statiques ou euh, fixes. Ce qui est le cas pour celui-ci. Maintenant, regardons un petit peu la structure HTML. Donc ici, on est dans l'index HTML, et comme vous pouvez voir, bon là, rien de nouveau. Hein. Il faut bien comprendre que, va dire, à les 90% du code que j'ai tapé, euh, vous les avez vus dans les cours précédents. Donc aucun problème, vous devez être capable de comprendre ce que j'ai fait. Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'à chaque fois, j'ai créé une div, vous voyez, avec un conteneur. Vous voyez ici Et en fin fait, de compte, c'est très pratique, ça va permettre de faire quelque chose de très propre, de très professionnel. Hein. Tous les pros travaillent comme ça. Et ça vous permettra automatiquement de mettre, vous voyez, votre nav et dans la nav, une UL avec les différents éléments. Donc à chaque fois, vous pouvez voir, j'ai mis donc, un, un jazz, hein. c'est-à-dire c'est un interpage, tout simplement. Ici, l'ID Up, ça permet de tout simplement définir le petit bouton en haut. Comme je vous disais, donc on a créé des sections. Donc ici, on a la section slide. Après, ici, on a la section fiche. Vous voyez, c'est les trois poissons. J'ai mis ça aussi avec des articles, sections et articles, afin de, de faire ça plus propre. Et surtout, lorsque le moteur de recherche Google euh, regardera le site internet, enfin, si vous faites un site dans ce style-là, il verra de suite de quoi on parle. Ah, ok, là, il y a des articles, là, il y a des sections impeccables. Donc, ici, ben, vous voyez, j'ai fait un petit clear. Pourquoi ben, Pour avoir ici quelque chose de propre, parce que sinon, euh, j'aurais une écriture qui serait tronquée. Ici, on a le conteneur au niveau des exemples. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, on aura maintenant les exemples. À chaque fois, on allait dans une autre page, où là, tout sera sur la même page. Donc, vous voyez, exemple de poisson. Alors, je vous ai fait un lorem ipsum, hein, rappelez-vous, hein, le site internet que je vous avais montré. Quelque chose qui peut peut-être vous perturber, c'est au niveau des contacts. cest j'ai fait en sorte de greffer une carte Google Maps. C'est très simple, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment on fait, c'est assez facile. Et ici, vous voyez, on a un petit formulaire, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on est en mode statique, mais quand je vous expliquerai comment faire un site web dynamique, on pourra carrément envoyer un email, c'est un peu une espèce de newsletter. Regardons maintenant le CSS. Donc si je reviens, voilà, ici. Alors là, j'ai fait en sorte de vous mettre les balises, on va dire, générales. En l'occurrence, il faut savoir que quand vous créez un, une feuille de style, je vous conseille de séparer comme ça, vous avez les infos générales sur votre page CSS. Donc là, vous voyez, on a une balise universelle. Hein, J'ai fait un padding et un margin à 0 pixels. Pour quelles raisons Tout simplement par rapport à vos browsers, vous savez, navigateurs Safari, Firefox, Chrome, et ainsi de suite. Il va interpréter votre page web différemment selon le navigateur. Donc au moins en faisant ça, vous êtes sûr que ce clean. Le body, le H1, euh, le H2, je ne vous en parle pas. Peut-être si ce qui est intéressant, vous voyez, c'est ici, le line 8. En fin de compte, cette commande va permettre de calculer la hauteur de votre bloc. Très pratique quand vous voulez centrer un bouton. Tout à l'heure, je vous montrerai... Euh, enfin, excusez-moi. Centrer du texte au niveau d'un bouton. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Donc ici, bah, texte decoration none, si je reviens ici, vous voyez, rien d'extraordinaire. C'est-à-dire que là, euh, je l'ai enlevé. Et puis quand je vais mettre ma souris dessus, c'est-à-dire que là, on est sur le A2.over, j'ai un petit truc qui apparaît. Vous voyez. Ici aussi, j'ai oublié de vous expliquer, mais là, j'ai une... Euh, une fonte qui a été intégrée, vous rappelez vous rappelez-vous, je vous avais fait un cours là-dessus pour vous expliquer comment mettre une fonte par rapport à Google, euh, Google Font, tout simplement. Donc là, j'ai récupéré euh, plusieurs fontes, vous avez celle-là, donc la première, plongée et immersion les eaux limpides et vous avez la deuxième. Si on continue, tout à l'heure, vous voyez le clear je vous disais par rapport à exemple de poisson et contact, j'ai fait en sorte de faire un, bloc, un bof, c'est-à-dire ça annule la flottaison droite et gauche. Là aussi, vous voyez, à chaque fois, je vous mets plein de commentaires vous permettra de mieux vous y vous y retrouver quand vous regardez le code rappelez-vous à hein, chaque fois je vous fournis le code parce que là quels que soient les sites internet que je vais faire que je vais créer tout au long de mes vidéos je vous donnerai le code source hein, moi il n'y a aucun problème hein. donc ici vous voyez j'ai fait la gestion de la section header donc header on a défini euh, une hauteur 120 pixels une flottaison à gauche et un margin top 32 pixels amusez vous à modifier à Amusez-vous à corriger. Bientôt, je vous ferai aussi une vidéo sur euh, les outils de développement, que ce soit dans Firefox, Chrome, et ainsi de suite, qui permet très rapidement de comprendre ce qui se passe. Mais je voulais y aller doucement. Alors ici, euh, si vous voulez, c'est tout simplement... Euh... Bah, on va le faire, regardez. Donc ici, on a Nav. Donc vous avez vu, notre menu, c'est ça. Mais on peut transformer celui-ci différemment. Donc, je vais le décommenter. Voilà, et ici je vais commenter celui-ci. Vous allez voir, c'est assez sympathique. Donc j'enregistre, et ici je rafraîchis. Hop, et regardez ce qui se passe. En fin de compte, vous avez votre menu maintenant qui vous suit. Ça peut être pratique quand vous créez un site internet et que vous voulez que la personne puisse avoir toujours un menu. Alors là, il n'est peut-être pas terrible, peut-être qu'il aurait dû être en hauteur comme ça, vous voyez, bah, après c'est à vous de voir le design, mais je voulais vous montrer qu'on peut faire des menus complètement différemment. Vous voyez, mon menu maintenant me suit. Si je reviens comme c'était, je vous laisserai le code bien évidemment pour que vous puissiez jouer avec. Hop, Je sauvegarde et je rafraîchis et on se retrouve avec le menu normal. Alors qu'est-ce qu'on va regarder Alors ici vous voyez le petit poisson, rappelez-vous le pseudo-élément c'est ici. .littlefish, 2.2.before, là je mets mon image, vertical line middle et display line block, rappelez-vous. Ces deux options, ces deux propriétés, pardon, sont très importantes. Si on continue ici le conteneur, le fameux conteneur je vous disais, c'est-à-dire qu'à chaque fois j'ai défini un conteneur pour chaque bloc, comme ça, ça permet de travailler proprement, je suis à 940 pixels, je suis surtout centré, vous voyez, à chaque fois je suis centré, margin 0, auto, je suis centré. Le slide, comme je vous disais, on a défini les deux poissons plus la mer, donc vous savez, on avait fait ça, si je vous montre le précédent, le précédent site, enfin l'ancien site web, c'est pareil, hein, c'est la même punition. Hein. J'ai essayé de, quand même de, de re, refaire la même chose que ce qu'on avait mis ensemble, ce qu'on avait fait ensemble, mais d'une manière plus, euh, plus design on va dire. Et ensuite, alors on a le slide, bon là rien d'extraordinaire. Ici on met en majuscule. Vous verrez, j'ai mis pas mal de commentaires pour vous expliquer tout ça. Hein. Alors ici voilà, très intéressant le bouton. Regardez, si j'enlève le line height le line 8, pardon. 50 pixels, donc là je vais carrément supprimer ma ligne, parce que ça ne marchera pas, sinon j'enregistre, et ici je sauvegarde. Vous avez vu le texte ici Le texte au début était centré, et en faisant, en enlevant le line height, je ne vais pas y arriver à le dire, line height, pardon, euh, ben vous avez automatiquement un centré, parce qu'en fin de compte vous avez 50 pixels, et le line height, 50 pixels, je le remets, donc je reviens ici, je le remets, donc j'enregistre et je rafraîchis. Et vous voyez, très pratique pour pouvoir centrer un texte par rapport à un bouton. Ça, c'est une petite astuce. Ici, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était le fameux bouton qui suit toujours ma page, en fait, et on est en position fixe. Donc là, je vous ferai un cours bien évidemment complet sur les positions, afin de vous expliquer la différence entre une position euh, statique, fixe, absolue et euh, relative. Donc là, on arrive à euh, ah oui, quelque chose aussi d'intéressant au niveau de la flottaison. Amusez-vous à modifier vos flottaisons, enlevez-les, et regardez ce qui se passe, regardez ce qui se passe au niveau de votre site internet, vous verrez c'est assez intéressant. Là par exemple, vous voyez, mes trois poissons, ils flottent. C'est-à-dire que j'ai défini une largeur de 300 pixels et ensuite je lui dis ok je veux que tu flottes à gauche. Mais imaginons que je l'enlève. Donc là, je mets en commentaire, j'enregistre et je rafraîchis. Et vous voyez, ma flottaison, maintenant, euh, ben elle ne marche plus. Donc maintenant, on a un truc, ben, c'est pas terrible. quoi. Donc, heureusement, la flottaison sert à ça. Je remets. Et je rafraîchis. Voilà, parfait. Ici, on a défini donc, des images en background, hein, c'est-à-dire pour chaque poisson. Bon, en plus, je me suis amusé à les détourer proprement sur GIMP euh, ben, afin de pouvoir avoir quelque chose d'assez sympat sympathique. Hein. GIMP Photoshop, mais dans mon cas, je préfère plutôt les cours sur GIMP. Bon, c'est un choix. Hein. Bon, là, exécutable, euh, exercice pardon, c'est background color. Vous voyez, j'ai une petite couleur grise. Bon, là, cest dire comme je vous disais, hein, c'est ici qu'on trouvera les, nos fameux exercices. Par exemple, pour la prochaine vidéo, qui sera le son numéro 23, ça sera sur la balise audio, ben, on verra ça ici. Les contacts, ben, j'ai défini tout simplement une hauteur au niveau de ma, ma carte Google Maps. Là aussi, ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo. Et on fera aussi une vidéo, vous verrez aussi une vidéo sur les, les formulaires. Vous expliquer comment les centrer, comment ça fonctionne et ainsi de suite. A l'heure actuelle, le site que vous voyez, c'est un site, on va dire, on appelle ça un site vitrine. C'est-à-dire que très souvent, les entreprises utilisent ça pour faire de la publicité par rapport à leur site internet. Une seule page en suffit, il y a des liens interpages, parfait, ça marche très bien. Ce genre de site, vous pouvez l'utiliser en tant que site professionnel, il n'y a pas de problème, il suffira de modifier vos éléments et vous verrez, on aura quelque chose d'intéressant. Voilà, bon bah écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. La prochaine vidéo portera donc, comme je disais tout à l'heure, sur la leçon numéro 23 qui sera sur la balise audio. On verra donc la balise audio. Ensuite, la prochaine, ce sera la balise vidéo. Et euh, pour finir, on verra. Euh, enfin, pour finir. Pour les prochaines vidéos, on verra donc euh, le fameux euh, position que je vous disais tout à l'heure par rapport au petit bouton, afin que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe et euh, tant qu'à faire, qu'on ait un cours là-dessus. Et en fin, fin, on va dire, comme d'habitude, vous pouvez ici aller dans le site Langue pour tous. Quand vous cliquez ici sur le cours, vous voyez, on a le sous numéro 22. Que vous pourrez récupérer, comme d'habitude, le code source, c'est-à-dire HTML, CSS et les images. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.